Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Le symbole de la croix est encore très omniprésent dans notre société, malgré le fait que de nombreux symboles religieux ont été retirés de nos institutions. Cette émission présente un bon nombre de réflexions concernant l'Évangile à l'aide d'anecdotes et d'illustrations. La question de notre Vox Pop cette semaine, pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Et vous remarquerez qu'il y a 20 ou 30 ans, les réponses auraient été très différentes de ce qu'on a recueilli lors de ce sondage. Mais on dit que Jésus est mort sur une croix, mais pourquoi est-ce qu'il serait mort sur une croix? Ah, ben disons que c'est une belle histoire. Hein? Puis ils disent que c'est pour expier nos péchés. Là. J'ai aucune idée, madame. Pourquoi il serait mort sur une croix? Non, ça, je peux pas vous répondre pour ça. Ben, il est mort sur une croix, c'est parce que c'était le châtiment qu'il y avait dans ces années-là. S'il était mort à ces années-ci, il l'aurait électrocuté, ben, il l'aurait shooté, tu sais. Parce que dans le temps, les religions étaient persécutées comme aujourd'hui. Puis, dans ce temps-là, il a été persécuté, puis ils l'ont mis à l'index, puis ils l'ont condamné. C'était le châtiment qu'il avait à payer dans ces années-là pour les péchés que les gens croyaient qu'il avait fait, tu sais. Il a été crucifié pour sauver les péchés des hommes. C'est qu'il voulait donner quoi? Un exemple qu'on peut mourir pour les autres, pour son prochain, qu'on peut aller tellement les aimer qu'on peut aller mourir pour eux, peut-être. C'est peut-être ça. Bonjour, François. Salut, Valérie. Ce qui me frappe le plus, moi, dans le Vox Pop de tout à l'heure, c'est le fait que les gens semblent pas vraiment préoccupés par le fait, justement, que Jésus est mort sur la croix. On a des réponses comme c'était une belle histoire, c'était comme ça dans ces années-là, mais les gens avaient pas vraiment une réponse précise à cette question-là. C'est comme plus présent à leur esprit. Tu disais dans ton intro tout à l'heure que, il y a 30 ans, on n'aurait pas eu ces réponses-là, puis ça, je pense que tu as frappé dans le mille. On est complètement... dans une génération qu'on pourrait qualifier de post-chrétienne, en tout cas, ça, c'est sûr. De telle sorte que l'Évangile n'est plus ce qu'il est, ou ce qu'il était, je devrais dire, par rapport à la moyenne des gens. Bien qu'on est dans une société qui était dite chrétienne, qu'on avait toutes ces valeurs-là, toute cette connaissance-là, les gens qui ont 50 ans, 40-50 ans aujourd'hui, se rappellent de ces choses-là. Mais la nouvelle génération qui se lève sont complètement ignorants de beaucoup, beaucoup de choses qui concernent l'Évangile, en fait. Super. Merci beaucoup, François, pour ces précisions. Je vous invite justement à réagir à ce qu'on vient de dire en nous écrivant. À l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca.